Bon, on a tué qui va à Volt? Qui va à Volt? Tu vas où? Tu vas où? C'est Juvabine? Ok. Faut faire voir le pompe. Du coup. Ennemi repéré. Faut viser déjà avec ce pompe. Ah, le fait que j'ai la recharge de munitions comme ça là. Bon, c'est dommage que ça fasse pas tant de dégâts que ça. Hein. Il a pris de malabar. Ah mais moi à la fin je vais avoir un giga ours de fer, hein, vous êtes pas prêts. Je veux the top of the top de ours de fer. Ok. Les toilettes connectées. Si tu veux mon avis, il a trouvé sa place. Tu sais, ah ouais c'est bien ça, c'est les toilettes connectées. Merci du coup de main, trésor. Bah de rien, trésor. On peut dire que t'as le coup de main pour satisfaire. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Une fille devant tout le monde, trésor. 123 légendaires. J'aimerais bien faire de toi mon acolyte à temps plein. Écoute, c'est pas la... Elle m'a donné un, deux, trois légendaires, là, c'est quoi? Ah, c'est ça. Galaxie okay. La plus civilisée, je le sais bien. Je peux pas abattre tous les... Je comprends toujours pas pourquoi j'ai un écran. Hein. Qui manque de respect. C'est stylé. Ah mais il me suit alors que c'est un bug je crois ça. Il est pas censé le suivre. Je me suis dit là depuis le début. Prochaine quête. On a un truc juste ici, contrat de mariage, c'est parfait. Bon bah qui d'approute. Il n'y a plus de qui la vault. Non je pense que la cam elle était pas censée me suivre comme ça. On va prendre contrat de mariage. Ah, c'est un meurtre? Si quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. J'ai été faite prisonnière par une folle des DDA qui se fait appeler Tête d'Enflure. Elle veut procéder à un échange de prisonnières pour retrouver sa copine, Globuline. Elle pense que je combats pour Atlas, mais c'est faux. Si vous m'aidez, je vous récompenserai grâce. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Venez jusqu'à sa planque, dans les tunnels du... Dans les tunnels du Gondor? Moi, non, ça a l'air d'être par là, ça a l'air d'être par là. Non, mais ils peuvent pas me dire c'est où? Là! Ok. T'es obligé de chercher, c'est fou ça. Ah, mais je te dis, cet endroit, c'est un endroit de mort. Pardon, excuse-moi. Je vais la refaire. Un endroit de mort! Putain. Hop. Les couilles. Rapprochez un peu les connards. Ouais, je casse les couilles. Mais merci d'avoir cru. Je voulais mater. Il y a marqué quoi? Give your skin. We're the more. Hop. J'ai pris en otage une soldate d'Atlas. Mais elle a dit qu'elle était même pas soldate. Vas-y, je vais aller la sauver. Et je suppose que le QG de la police est à l'autre bout de la planète, bien sûr. Si tu m'entourloupes, je descends l'otage, et puis moi, et tout un tas de gens avec, parce que je suis amoureuse. Bah ça j'avais capté. Et ça aussi j'avais capté. Chasseur de l'arche, je suis Naoko, la prisonnière de Tête d'Enflure. Oui bah ça va, je vais te sauver. Si elle découvre qui je suis vraiment, je suis foutu. J'ai vraiment dit vénère, bah ça va, je vais te sauver là. Putain mais y'a le robot qui me suit, j'ai envie de casser mon crâne. Bonjour la police. Qu'est-ce que tu veux? On a pas que ça à faire. Je veux juste sauver une nana. Alors, et la nana. Il y a des meurtres qui sont sur le point d'être commis. Il a vraiment dit ça et puis c'est bon, c'est passé. Ok. Mais c'est que ça a pris cher votre endroit, non? C'est bon? T'as éliminé les flippots? Bah attends, c'est pas fini, j'ai pas tué tout le monde. Pas si fou. Oh non, c'est pas si fou le pompe. Je regrette. Ok, je vais. Ouais, mais ça va, je cale pas non plus. Et boum dans les dents.
Je veux des cadeaux, Jacob. Je vais tellement die. Je vais tellement die. Ok. Ah mais c'est bon là, le respawn des flics. Pardon. Oui bah attends, je me suis trompé de prison. Il y avait d'autres prisons, je sais pas pourquoi. Je veux voir cette prison là. Mais je viens de te sauver la vie, connasse. Elle marche sur la terre, c'est pas juste. Attends, je veux savoir s'il y en a un qui va être gentil. S'il y en a un qui va être gentil avec moi. Ah, j'aurais pu les libérer pour qu'ils m'aident aux flics. Ouais non, ok. Ça aurait pu me servir, mais j'ai fait de la merde. Bah, c'est moi, non? Oh, ça peut être pas mal en vrai. Oh, le zoom. Ah mais ok. C'est aussi une meuf comme ça. Non, 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 pas tout de suite. Bon, viens, suis-moi au pire. Vas-y, suis-moi. Ça y est, t'as trouvé ma globuline d'amour. Elle est morte. Le soleil de ma vie, la tumeur de mes yeux. Mais elle s'est tuée elle-même. Ouais. Je lis l'amour dans son regard. Elle s'est tuée elle-même. Mais c'est pas moi! Mais j'ai une idée. Récupère son masque. Oh là. Je voulais faire genre qu'elle vienne. À cause de sa grosse tumeur, je suppose. On peut peut-être la feinter. On se retrouve au repère. Tu veux que je mette le masque, c'est ça? Sois pas triste pour Globuline. Ces nanas sont obsédées par les massacres d'innocents. De véritables monstres. Et puis elles en font des caisses. Sérieux, les filles, c'est gênant. Grandissez un peu, non? Ah, je pensais qu'elle était sauvable, genre en mode tu pouvais vraiment la sauver, enfin pas la sauver mais genre il fallait l'amener ou quelque chose. Non, t'es obligé de la tuer, ok. My bad. Regarde, parce qu'en fait j'ai du monde sur moi là. Ok, enfile le masque de Globuline à l'un des cadavres près de la porte. Ça devrait suffire à le convaincre de s'ouvrir la porte. Des cibles fraîches, juste ici. Ok, c'est le même masque que tout le monde mais bon. Globuléon. Surprise! Salut. Elle est morte. Le rapace de l'art a tué Globuléon. J'aurais dû emporter plus de grenades. Ouais, j'aurais dû emporter plus de grenades, my bad. Bon, ça a plus ou moins marché. Au moins, t'as pu entrer. On se reparle après le carnage. On va te taguer une hérétique. Allô, Globuléon? Témoin de Globuléon, carrément. Ok. Frère de Globuline. Ah, désolé. J'ai tué ta sœur. Mais surtout, elle est où Enfin, la copine de Globuline, dont j'ai perdu son nom. C'est bien, ils sont pas level 15 là, comme tout à l'heure. Ouais, je suis pas sûr de ça. Ah oui, il était caché lui. Ok, my bad. C'est bizarre quand même. Alors, la mère de Globuline. Putain, mais je tue toute une famille là. Bien résistante elle. Oh, maman de Globuline, faut faire un. Chargeur vide. Okay. Comment pour avoir à ta conscience? Que tu me
Ah. Oh les dégâts qu'elle vient de me faire. Oh, oh la PV qu'elle a. 8. Merci le pote. Oh mais putain, elle a un putain de roquette cette connasse. Oh, ok. Oh bah, il faut arrêter de me tromper des gigas armes. Non, j'aime bien le pompe. Alors, qu'est-ce que c'est? Dégâts des armes plus 300%. Oh, je sens que je vais bien aimer cette arme. Ça va être injouable, mais je l'aime bien. Maintenant que je suis sortie, je peux te dire que je m'appelle Naoko Katagawa. Ouais. Oh, c'est une soldat de l'Atlas. Mon frère a envoyé Tyrin Calypso assassiner toute notre famille. Ah. Je suis la dernière. Il faut que tu saches, je suis pas comme mon frère. Katagawa. Lui, c'est un psychopathe et il veut vraiment que je crève. Dès que j'ai compris ce que mon frère essayait de faire, c'est une Maliwan. Disparaître. J'ai volé l'équipement d'un soldat d'Atlas sur son cadavre. Ok, ouais, c'est une soldat d'Atlas. Les DDA m'ont capturé. C'est un machin de soldat d'Atlas. Je vais faire profil bas pour l'instant. La plupart des gens seraient prêts à me tuer à cause de mon nom de famille. Bah oui, t'es une Katagawa. Si tu croises mon connard de frère, fous-lui une balle dans la tête de ma part. Oui, oh, plusieurs. Et Tête d'Enflure m'avait volé un souvenir de famille. Tu peux le récupérer, chasseur de l'arche. J'en veux plus. Le prends pas mal, mais j'espère qu'on se reverra. C'est bon le dialogue là. Ok, tu m'as juste filé un putain de sniper pas ouf. Et on se reverra peut-être jamais. Ok, il nous reste une quête qui était pas très loin. Alors on remonte par là et puis c'est en face. Ok. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi il y a autant de quêtes dans cette zone. Elle est bien cette zone, elle donne envie. Il y a toujours le machin qui nous suit. Ça, je pense que c'est un vrai bug ça. Je trouve ça marrant. Passage souterrain, on quitte les passages souterrains. Outsider de mes deux. Outsider carrément. T'as envie de faire des trajets au petit sur cette map, je vous jure, c'est dingue. Tout droit, ok. Laisse-moi sortir. Citoyen, vous êtes actuellement en détention dans ce Ficapod. Cette fille a refusé de blesser. Parfum de justice. Tout ce qu'a fait, échanger cette fusil amérique contre une autre un peu moins. Gardons sur la loi. Genre une IA de flics véreux. Ils nous tannent pour qu'on leur graisse la patte. Mon gang t'aidera à me tirer là. Trouve-le. Je suis désolé. Le fait que ça soit après une grille là-bas, ça me frustre. Donc, on y va. Voilà, comme ça on est sûr. Même si je pense qu'il y a moyen d'aller au-dessus, hein, tout simplement. Bon, attendez, on va l'aider le machin parce que. Hop, parler à l'équipe de. Plus de lag. Plus des lags, peut-être. Il y a votre chef qui est littéralement dans la merde. Il m'a dit de venir vous voir. Plus de lag, pas notre chef. Plus de lag. Ah, plus de la gueule. Oh. Ok. Casse les couilles à chaque fois, tuer des gens pour rien. Enfin, pour rien. Tuer des gens tout court en fait. Qu'est-ce que j'ai eu en fait? Ah oui, j'ai eu un giga sniper. Carrément, j'ai oublié. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah oui, il y a vraiment un boss là, il y a quelqu'un qui parle.
Worthy ? Mais c'est quoi l'autre ? C'est Worthy, Worthy ? Ah oui, c'est Worthy, Worthy. Et lui, c'est quoi ? C'est Worthy. Ouais, c'est... ok. Ah, il y a Wiki, Wiki Worthy. Ah là là, putain, je l'avais pas. Du coup, il y a plein de Worthy, ouais, ouais, ça se tient. Et ils font des portails, bah oui. Je recharge, plus long, temps de recharge. Il a rien droppé de foufou, Worthy, là. Hein, ah, c'est mieux, ça, non? Ouais, c'est une Jacob et qui fait plus de dégâts. Tu veux que je mette ça où? Là, derrière. Eh ouais, allez, fais-moi sortir. On est dans la même galère, maintenant. Ah, qu'avons-nous là? Une arme à feu illégale. Il va falloir cracher. Bizarre dit comme ça. De la merde. En fait, ouais. C'est tout ce que je peux cracher pour l'instant. Demande de renfort, Côte-Marne. Oula, oula. Mettre là-haut. Non, mais putain. Oui. Ah, c'est un peu dur de tirer avec ce sniper en fait. Il fait des dégâts, mais c'est très dur de tirer avec. Par contre, c'est vrai qu'il fait pas mal de dégâts. Ah, mais il tire des trucs derrière. Oh, ouais. Attends, les mines. Ah ouais, par contre, ouais, les mines de snipe, c'est pas ce dont j'ai le plus. J'ai 20 sur 21. L'arc ? Ah oui, c'est le robot nettoyeur, je me suis dit, comment ça, l'arc ? Capitaine l'arc. Ok. C'est long là pour que tu sortes. Quelle saleté. Impossible de nettoyer ça tout seul. Je ne sais plus où donner de la tête. Mais sinon je pouvais pas tirer sur la serrure, il m'a trouvé ça. C'est tellement ouvert en fait. C'est tellement ouvert. Je suis votre optimisme, citoyen, mais ça dépasse mes compétences. Vos selles représentent un risque biologique de niveau 27. Je pourrais me faire contaminer. Je veux sortir. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Je suis fatigué, ce genre de truc. Je me demande où il est passé. Oh oui, Karim, il a changé de map. Je veux son arme. Bah, let's go, on va voir. Bon, bah, zone clean. Quête faite, et on a encore 75% de tout le territoire à explorer. Mais c'était marrant à faire. Y'a quoi? Une cachette, donc 3 enregistrements, une radio, 2 claptraps et une cible, ok. Ouais, c'est pas mal, hein. Electra City. Oui, je suis con d'avoir fait ça. Donc l'Electra qui est bien au-dessus. Metroplex et environ. Ok. Et il est pas là? Promettez. Environ. Là? Ah, je pensais qu'il l'aurait fait changer de planète, ça aurait pu être marrant ça. Imaginez, il est sur Eden 6 et en fait tu dois attendre un peu plus tard dans le jeu. Ouais, ça pourrait. Là, ok. C'est-y pas... Ah mais il était ouvert et tout. Ok. Adieu citoyen. Nettoyez, promettez. Pas tout compris mais c'est fini. C'est fini. Non, il a donné un sniper mais je pense la flemme.
Eh bien écoutez, on peut retourner. Ah, Electra, ça va être long. Une couverture électrique aléatoire en réseau de transport en commun déplorable et bienvenue sur Prométhée. Au moins ça change de port d'or. Au moins ça change de port d'or. Je viens de capter. Pas du tout. Allez, moi. Je peux mourir et après parler. Ok. Ouais, non, moi. Je ne sais pas comment je fais. Vous savez que. Enfin, j'ai joué au jeu il y a. 2 ans maintenant. Je sais pas comment je fais pour avoir des gigas souvenirs de détails incroyables comme le boss exact de l'Arche de Eden 6 ou le DLC de Krieg le Sadique. Je l'ai presque par cœur dans la tête et il y a des trucs genre qui on va voir là juste après, je ne sais même pas. Je voilà. De mon souvenir, on avait une course pour pas une course poursuite mais en gros fallait avancer une merde comme ça. Je mon cerveau qui trie les souvenirs. C'était marrant. Non, c'était pas marrant. Mon cerveau qui trie les souvenirs si mal, j'ai envie de chialer en fait. Bonjour, Nicolas. Apparemment, la gendarmerie c'est sur la place du commerce. Maliwan a installé un dépôt d'armes dans la galerie. Putain, mais. Oh. Je vais boire un petit coup d'après. Il y a du monde là, ça fait plaisir. Sécuriser le dépôt de Maliwan. C'est parti. Buter, c'est moi ça. Ils esquivent ça. Je monte en grade. J'ai pris. Comment j'ai pris un level Du coup, nouvelle arme et on va dégager le bazooka. Et on va essayer cette nouvelle arme. Oh les dégâts de futur que ça fait. Hein. La recharge est rapide en plus. Ah ouais. Oh. Oh ouais. Oh. Ah là contre le boss ça. T'arrêtes pas. Ce dépôt d'armes fait une bonne cible, mais il est entouré. Ah ouais, cette arme, c'est la 9 volts. En version Shoken. Je sais pas ce que ça veut dire version Shoken. Ouais, non, ouais, c'est un mal. Ouais, je suis sur une bonne lancée là, t'arrêtes pas. Oh, j'ai cru qu'il allait pas me toucher, j'ai peur. Allez, animation, c'est 0, j'avais oublié, c'était 0. Oui, non, mais j'avais, je pensais que je me ressouvenais que 0 était sur Prométhée, mais. Non, je sais plus. Oui, bon, on a compris, chiffre préféré. Je comprends toujours pas. C'est quoi cet écran là que j'ai à chaque fois que je me baisse? Genre pour voir le monde en plus joli. Allez, c'est parti. Viens, chasseur de l'arche. On va faire chier Maliwan. La mission commence. Non, c'est chiant, je vous jure, c'est chiant. Un homme de peu de si mots. Quelqu'un sait. Ça me plaît bien. C'est zéro. Il a fait partie des pillards écarlates avant toi. Je te demandais où il était passé. Il a toujours été bah voilà. Un peu mystérieux. Tu sais où il est maintenant. Par contre, faut faire des crits à un moment. Ok. J'ai l'impression que c'est vraiment un écran de protection en fait quand je me mets à genoux, mais non, mais même pas. Genre, vas-y, tire-moi-tu. Non. Ah, il a dit que ça allait exploser. Ok. Ah, t'as fait un trou dedans, quoi. T'as eu un trou dedans, quand même, là. Oh, je veux m'amuser. Oula. Oula, ça a l'air d'être cool. Ils sont en colère. Attention à leur réponse.
se mettent bien invisibles les ennemis. Hein. Longbo, tu disparais. Ça va. Qu'est-ce qui m'a tué? Ok. Ah, vous êtes nombreux là. Bon, c'est bon, l'affichage qui dit on est 6, ça fait plaisir. C'est bizarre, artificiel lourd qui résiste là-dessus, moi je comprends plus. Je fais des dégâts de glace, hein. Ils sont tous en feu ici. Hein. Ouais, mais si, c'est parce qu'il est lourd, je suis con. Il est... Forcément, il a un passif qui le protège du froid. Non, je sais pas. Plus personne, je suis pas sûr qui tu tires. Autant pour moi. Ok. Je rush. Mais c'est bon, il parle que en haïku. Alors, quoi, en haïku, c'est ça? En waïku. C'est trois vers qui font au total 21 syllabes. Je sais plus comment ça s'appelle. Il parle que comme ça. Oh là là, je sais même plus. Tikof Maliwan rouge. Donne-moi du taf. Ça fait plaisir. Je suis plein. Ça dégage. Ok. Hop. J'ai mis une clé de diamant, je sais pas où ça se trouve, mais je m'en bats un peu. Les couillasses. Je viens de débloquer un truc, où est-ce qu'il est, il est là. Je peux toujours pas avoir mode de classe, de toute façon on garde le mode de classe orange. Et ça c'est un... Adrénaline, refuge, surpuissance. Pour l'instant, je vais garder mon truc drone, c'est trop cheat. Non, il est vraiment cheat. Hein. Oh, ça fait plaisir ça. L'esthétique. Ok. Ah, bah faut arrêter. Ah, ouais, c'est une objet de ketchup. Hein. C'est même pas ouf ce que tu me donnes. Faut arrêter, hein. Merci. Tiens. Vise un peu. L'âme monomoléculaire. Ça veut dire trop cool. Mais t'as changé de voix là d'un coup, non? Tiens, c'est Zéro, le meilleur ami de Risk qui vole mes affaires. Eh ben quoi, Atlas te suffit plus? Mon offre tient toujours. C'est pas trop tard pour rejoindre Maliwan. Et toi, tu dois être le chasseur de l'arche dont Tahirin m'a parlé. C'est quoi? Ah bah ça va, vas-y, on clique le dialogue et on va ouvrir ce portail là. J'ai envie de jouer. Ouais, j'ai capté. Un sacré connard. Bah vas-y, ok. Moi je veux voir ça. Ouais, ça marchait. Oh putain, cerveau cosmique, c'est vrai. C'est quoi cerveau cosmique et comment je le tue? C'est une sorte d'IA. IA. C'est pour l'exploration que je fais ça. On accède à l'intégralité de leur base de données stratégiques. C'est bien là mon plan. Rejoins-moi au spatioport. La chasse est ouverte. La chasse est ouverte. Ok, c'est parti, accéder au spatioport. C'est où rapidement? Ok, ça reste à côté. Cette OPA ne va pas rester hostile longtemps. Merde, je crois que c'était Axton qui parlait, non? On parle le monde comme de vrais professionnels. Gris refuse de l'admettre, mais quand tout sera fini, on va former une gigantesque grande famille. Mais là, non? Ouais, c'est ça. Mais il est pas là directement, le chasseur, le cerveau cosmique? Mais si tu touches à mon cerveau cosmique. Mais il est pas là, non? Ah, l'ennemi est ici. Ici, ouais. L'ennemi est ici. Ah, coup dur. Tu vas pas réussir à l'ouvrir, c'est ça? C'est un combat de test. Montre-nous tes compétences.
Je veux juste tuer le cerveau cosmique, laisse-moi tranquille. Là, je pensais qu'il y avait des trucs à faire avant. Il est juste là, et puis c'est bon. Ah ouais, putain, ouais. Let's go. Un cerveau. On attend la fin de la surchauffe. Ça recule, ça recule, ça recule. Et on retombe. Bon, ça va qu'il prend cher vite. Hein. C'était pas compliqué. Ok. Même pas une petite arme légendaire, salaud. On va y trouver les données fraîchement traitées. Il a l'air bien ce pistolet pourtant, hein. Ouais, mais c'est du level 12, quoi. Je suis level 15, les gars. Envoie les données à Harris. Je repars tuer. Je repars tuer. Tu as mérité ce nom. Je te souhaite bonne chance. Attends. Il y a intérêt à ce que je puisse monter là-bas. Waouh! T'as vraiment retiré la cervelle de mon cerveau cosmique? T'en avais marre de te faire piétiner, c'est ça? Putain! Je comprends. Un jour, mon père m'a dit que j'étais en 12e place pour diriger la société. Alors, j'ai fait 11 petites coupes sur notre arbre généalogique. Et maintenant, tout me revient. Pense bien à ça. En fait, je sais pas comment aller là-bas. Pour la fin d'exploration, parce que là on est d'accord que c'est grisé. Je suis pas bien. C'est fou qu'on puisse pas monter là. Ouais, mais il y a même plus de propulsion dans les grenades, c'est abusé ça. Allez, on retourne à la base. Non, je suis triste. On a du burger et des cafés. Et ça, ça fait plaisir. Il y a des robots qui traînent sur le chemin. Ok, bah je crois qu'on a clean toutes les zones à force. Ah, c'est zéro. La cervelle et les circuits grillés. C'est zéro, j'ai commencé à tirer derrière. Appelle Harris pour lui dire que le boulot est fait. Ouais. Hey, chasseur de l'arche, tu as trouvé les données de cerveau cosmique? Donne-les-moi. Et ensuite, tu nous aideras à trouver l'arche, ok? Ah, ouais, ça. Non, c'est juste que je suis pas mal occupé avec cette histoire d'invasion. S'il y avait pas ça, on foncerait vers ton arche. Mais il faut bien que je m'occupe de ma société. Alors, autant que je jette cette cervelle bon, dans une poubelle, si personne s'en sert. On écoute. Okay. Très bien. J'ai reconstruit Atlas en partant de rien, et je suis prêt à tout pour empêcher Maliwan de me voler ça. Je jure sur l'avenir de cette société que je t'aiderai à trouver et à ouvrir cette arche. Ça ira bien comme promesse, recrue. Tu peux lui donner ce qu'il demande. Ouais. Il a un cœur. Ok, on peut désormais s'équiper de mode de classe. C'est ce que je voulais. Et montre-moi ce que t'as comme mode de classe. Bon, j'en ai que deux. Et on va jouer lui. Ce qui me donne plus 1 ici. Ce qui me donne 10% du chargeur. En munitions, je dirais. C'est extrêmement puissant. Et du coup, ici, j'ai 6% de dégâts incendiaires bonus, ça fait plaisir. Et tous les dégâts de la zone infligée par Moz ont une chance de doubler. Oh ouais, ah ouais, ça va être puissant ça. La vache. Ah, y avait vraiment, je l'aime bien ce mode de classe. Les mouvements des troupes, les ravitaillements, les données de terrain.
dirait bien que Maliwan cherche aussi des fragments de la clé de l'arche. Ah. Et ils ont des pistes. Planète du nom de Athénas. Athénas. Parfait. Chasseur de l'arche. En ce cas, ça change de planète. Super. On fait comme ça. Terminé. Bon bah, let's go. Ok, donc toi tu croises une grosse société qui se fait piétiner la gueule par une société plus grosse et bien plus cool. Et toi, ce que tu dis, c'est je vais suivre le naze à la moustache. Je vais suivre le naze à la moustache. Hop, let's go Sanctuary. Et c'est là où je crachais sur Xbox. Me souviens. Bon, ça va, ça va. C'est pas grave. Attends, faut que je rejoue au jeu des pastilles, moi. Retrouve-moi sur le pont quand tu voudras, recrue. Mais non. Bon, y a tous les DLC, mais on s'en fout. Si, qu'est-ce que je voulais voir ça? C'est toujours AMT. Coup dur. Toujours pas de clé dorée, non. Ouais, je vais vendre des trucs, tiens. Ok. En vrai, elle est pas folle. Oh, je vais pas garder toutes les armes oranges que je débloque, hein. Faut pas exagérer. Les boucliers, j'attendrai qu'on m'en propose un meilleur parce que je sais que je vais pouvoir le garder longtemps, lui. Je vais améliorer fusil d'assaut. Sniper pompe, je peux. Je vais foutre un petit double en bazooka. Pour des raisons pratiques. Je sais pas, ça sert à quoi, j'ai jamais rien eu en bouteille en boulier. On va reprendre un en grenade et deux en fusil d'assaut. Ok, ça fait plaisir. C'est qu'il y a des quêtes aussi, hein. Ouais, pourquoi on la prendrait pas en fait, je suis là. J'ai croisé le saurien qui vit là-haut, Maurice. Ouais, Maurice. Le Patanis, il est là en paix. Mais je refuse de croire ça une seule seconde. C'est lui ? Je vois bien comment il regarde les humains. Comment il regarde les humains. Et je crois bien qu'il en a mangé un ou deux. Je l'ai vu traîner un sac jusque dans son antre. Un sac de la taille d'un corps. Va voir ce que tu peux trouver, chasseur de l'arche. Bah, pour l'instant, pas grand-chose, hein. Ils veulent vraiment que je fasse une enquête d'investigation dans le vaisseau à cause de ce connard là. Aïe. Salutations. Que fais-tu, être au sang chaud? Être au sang chaud. Salut Maurice. J'essaie juste de ramener ce coussin géant de la forme de mon héros Axton jusqu'à mon lit, mais c'est vachement lourd. Je sais pas trop pourquoi ils ont inclus la tourelle. Ok. Le repos doit toujours être confortable. Tu vas accepter l'aide de Maurice pour arriver à tes fins. Vraiment? Alors ça c'est trop sympa. Merci. C'est long. C'est long la quête là. Maurice, il est un coup de main à quelqu'un. Il y a forcément un truc véreux. Bah dépêche-toi. Il y a forcément un truc véreux quelque part. Cherche mieux, chasseur de l'arche. Oh, j'ai fait accepter le DLC. Ok. C'est ça. Ok. Ah oh, ouais, c'est butin sanglant machin là. Ouais. Bah c'est les DLC quoi. J'ai un souvenir un peu plus récent des DLC. Enfin du thème des DLC plutôt. Ce qui veut pas forcément dire le DLC en lui-même, j'ai envie de vous dire. Mais bon. Bon alors, ils ont fait 4 DLC plus un truc un peu spécial. Je pense que je vais surtout bientôt jouer à Tiny Tina Wonderland. Ah bon sang, j'ai encore raté mes. On sait de là, oui. Désolé les gars, je dois annuler mon punch. Il est où? Non, ça va pas du tout. Ah, putain de raptor. Et pourquoi il y a Maurice? C'est quoi la ref? Il a forcément une idée.
Trouve un dossier sur Maurice, n'importe quoi, ok. C'est là ? Mais où je l'ai mis ? Mon exemplaire dédicacé du meilleur album de... Comment faire apparaître un véhicule ? Ah, c'est faux Claptrap, ça, qu'on doit améliorer en ami. Oh mon dieu, j'y crois pas. Tu l'as retrouvé. La signature est intacte. Maurice, t'es mon petit chouchou. J'arrive vraiment pas à y croire. Il est tellement sympathique. J'ai besoin de réfléchir. Chasseur de l'arche. C'est tout? Chasseur de l'arche. Maurice a senti que vous enquêtiez. Vous allez venir voir Maurice. Mais qu'est-ce que je fais là comme Ken? J'aurais dû Marcus, aller voir le film. Le n'a pas confiance en Maurice. C'est compréhensible. Maurice mène une... Mais pourquoi t'es qui? Et ça menace forcément... Mais c'est quoi? C'est quoi le rapport? Pourquoi il est là? Lui apporter un cadeau. Ces rituels de don... Oui, oui. Le cadeau parfait pour Marcus le Belliqueux. J'espère que ça va pas faire du mal à Marcus. Ou quoi que ce soit. C'est quoi ça? Un cadeau de la part de Maurice? Oh là, j'aime pas, j'ai peur. Qui sort de cette boîte. Éloigne-moi ça. Va poser ça là-bas. Ah, je le savais. Son cadeau devait contenir une forme de... Bah non, ça a l'air d'être du poisson, quoi. Une espèce d'acide qui m'aurait fait fondre le visage. Maurice a tenté de me tuer. Je savais bien qu'il mijotait un... Ça, c'est un soulagement. Qu'est-ce que c'est? C'est un soulagement. Imagine un peu l'horreur si on avait eu quelqu'un de gentil à bord. Mais c'est quoi ça? Le seul truc qui nous fait tenir ici, c'est qu'à tout moment, on peut tous se tirer dans la oh, gueule. Oh, c'est long. Merci d'avoir mené l'enquête, chasseur de l'arche. Moi de rien. Un succès à vous faire fondre le visage. Marcus le Belliqueux ne respecte que la force et craint la chaleur. Même si Maurice est ici en paix, il connaît bien la diplomatie de la griffe. Pourquoi tu lui as donné ce cadeau du coup? Une quête ici? Non. Arme très rare, violette. Elle a l'air d'être bien. Non, elle est pas bien en plus. Elle est vraiment plus la merde. Bon, eh,